Aujourd'hui, je vous partage ma routine capillaire du moment ainsi que ma coiffure twist en 5 minutes que vous m'avez souvent demandé de vous montrer. En temps normal, je lave mes cheveux une fois par semaine, mais avant, j'aime faire un masque capillaire ou un bain d'huile. En ce moment, j'utilise mon masque hydratant de chez Mix Nature. On m'a demandé si je voulais essayer les produits et ça m'a fait super plaisir parce que le concept est vraiment unique. Vous pouvez fabriquer vos propres produits naturels, biologiques et végétaliens, que ce soit capillaire ou pour le soin de la peau ou même pour le corps, en choisissant tous les ingrédients que vous voulez et les produits seront faits pour vous en laboratoire. J'ai laissé poser mon masque pendant 2 heures. La prochaine étape fait pas partie de ma routine capillaire, mais c'est quelque chose que je fais toujours une fois par semaine en même temps. J'aime appliquer un masque pour le visage que je vais laisser poser une dizaine de minutes et je rince le tout dans la douche par la suite. Après, je vais rincer mon masque capillaire. Comme vous voyez, je laisse mes cheveux séparés en 2 parties du moment où j'entre dans la douche jusqu'à temps que je sorte. Ça aide à ce que mes cheveux se mêlent pas trop et à ce que tout soit plus facile. J'ai eu un excellent résultat avec le masque et si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi avoir 20% de rabais sur votre première commande avec le code MIX4FRIENDS. En plus, je dois vous dire que je trouve les produits assez abordables pour quelque chose d'une grande qualité avec des ingrédients qui sont aussi recherchés. J'applique mon shampoing à la racine seulement et je vais suivre avec l'après-shampoing sur toute la longueur en insistant sur mes pointes. J'ai vraiment aimé chacun de mes produits parce que j'ai choisi des ingrédients qui convenaient parfaitement à mon type de cheveux et c'est un concept que je recommande vraiment. Ma routine capillaire s'arrête ici. Pour la plupart du temps, je fais des twists sur cheveux mouillés ou des coiffures sans chaleur. Par contre, pour réaliser la coiffure que vous m'avez demandé, je dois les sécher un peu avec mon séchoir. Et avec celui-là, on peut régler la température, donc on peut mettre de l'air froid pour pas abîmer ses cheveux ou de l'air tiède ou sinon de l'air chaud. Ensuite, je les nourris avec une huile ou avec un sérum. Je vais créer une séparation sur le côté. Je vais commencer à faire mon premier twist. C'est beaucoup plus facile que ça en a l'air et ça me prend toujours moins de 5 minutes. Je commence à twister en prenant une mèche, ensuite j'en prends une autre que je ramène toujours vers l'avant. Pour réussir la coiffure, il faut simplement twister en allant vers le visage ou twister à l'envers, dépendant de comment vous appelez ça. Si vous faites votre twist en sens normal, ça sera collé sur la tête, tandis que si vous le faites dans le même sens que moi, la coiffure est un peu plus en 3 dimensions et c'est ça qui va venir recréer un effet. En plus, si vous ne savez pas tresser, c'est une coiffure qui sera parfaite pour vous et qui va être plus facile. Je vais sécuriser mon twist avec une bobépine pendant que je commence la même chose de l'autre côté. Et j'essaie toujours de prendre des mèches de la même épaisseur pour avoir un effet uniforme. Souvent, les gens pensent que cette coiffure, c'est un genre de couronne qui est fait en une seule étape, mais je vais simplement prendre des bobépines et je viens croiser les 2 twists en arrière et les attacher. Et voilà pour le résultat final. C'est tout pour ma routine capillaire et pour ma coiffure twist en 5 minutes. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et nous, on se revoit jeudi prochain. Bye!